l'Europe a été un territoire où la vie juive s'est développée. Les juifs européens ont sans doute été aussi européocentrés que l'ont été les Européens pendant des siècles, à savoir que leur univers s'est réduit à l'Europe. Mais je ne pense pas qu'il y ait véritablement de territorialisation intellectuelle du judaïsme en Europe. L'Europe est une invention extrêmement tardive. Par contre, les conceptions juives de ce qu'est le monde et l'univers commencent extrêmement tôt. Et dans la littérature rabbinique, et plus tardive, c'est-à-dire de l'époque médiévale, on ne trouve jamais mention de l'Europe. On trouve mention de pays, de régions, mais l'Europe est quelque chose qui apparaît très tardivement. Il n'y a pas de terme spécifique qui désigne l'Europe en hébreu. Voilà la vision de l'Europe. C'est un haut lieu de la diaspora et au fond, dans la vision juive, c'est l'exil. C'est une terre d'exil. On emploie les termes Gola, Galout. Ils ne sont véritablement intégrés pendant très longtemps nulle part, qu'ils sont des populations mouvantes, que l'on expulse, que l'on discrimine, que l'on fait passer d'un lieu à un autre, eh bien, ils font partie de ces populations qui ont traversé l'Europe et qui, en la traversant, lui ont donné, d'une certaine façon, aussi une manière d'exister. Avant l'émancipation, je ne suis pas certain qu'on puisse parler de conception juive de l'Europe, parce que les gens, alors pour autant que je puisse en juger d'après les sources que j'ai fréquentées, qui sont plutôt des sources extérieures au judaïsme, les gens se définissent plutôt par leur lieu d'origine, par leur ville d'origine, ou par les espaces qui ont été ceux des expulsions successives. Donc la France, l'Espagne, et donc ce sont plutôt des lieux spécifiques à l'Europe qui sont intégrés à la mémoire juive. Une façon juive de penser l'Europe n'est apparue que relativement tardivement. Elle n'est apparue qu'avec la période contemporaine, qu'avec le début du 19e siècle. L'Europe a représenté pour une grande partie des Juifs, en tout cas du 16e au 18e siècle, et probablement un peu après, une manière de sortir du ghetto. L'Europe a été un théâtre où le judaïsme a d'abord connu le confinement, où les Juifs ont été relativement réduits dans une forme d'obsidionalité qui les faisait peu participer à la vie européenne. Et puis l'Europe, par la suite, de manière graduelle, à partir de la Renaissance et surtout à partir de la fin du XVIIIe siècle, a été le théâtre d'une forme de libération, d'émancipation des Juifs. Les Juifs sont très anciennement présents en Europe, mais dans une Europe qui a été marquée, façonnée historiquement par le christianisme, ils sont considérés comme un peu extérieurs à elle.